Tu nages comme une tortue, comment ça se fait? 2 ou 3 secondes de plus et c'est moi qui gagnais. Pardon, je t'ai battu les doigts dans le nez. Je dépose une réclamation. Toutes les deux, vous m'avez coupé la route. Cléo, tu nageais si loin derrière moi, j'en avais oublié que tu étais là. Tu sais, il y a autre chose que la victoire dans la vie. Et c'est comme ça qu'on finit 3e. Et toi, je te battrai au retour. Tu crois ça? Je suis plus rapide que toi, c'est tout. Alors combien de fois je vais devoir te battre pour te prouver que je suis la meilleure? Oh, ce n'est pas du tout du chocolat chaud, ça. C'est du chocolat tiède qu'ils m'ont servi. Ils devraient afficher au menu chocolat tiède si c'est ce qu'ils veulent nous servir, non? Merci, Ricky. Ah, oh, oh, Ricky, c'est trop chaud. Et là? C'est parfait. Je vais faire comme si je n'avais rien Excellente vu. Excellente idée. Et moi, je vais faire comme si tu m'intéressais. Tu veux dire que tu ne veux pas savoir comment je vais vous protéger de la pleine lune ce soir? Tu peux faire ça, toi? Peut-être, oui. On calme sa joie, les deux, là. Tous les mois, il y en a une qui est touchée par la pleine lune. Et tous les mois, il se passe des trucs bizarres. D'accord, mais se préparer, c'est déjà gagner 9/10 de la bataille. Mais ne te vexe pas, on a déjà tout préparé. Oui, moi, dans ma chambre, pour que la lumière ne passe pas, j'ai scotché tous les rideaux. De mon côté, j'ai prévu de m'enfermer dans mon sac de couchage et sous ma couette. Et chez moi, ma chambre est complètement hermétique. Souvenez-vous qu'il faut aussi éviter le reflet de la lune. Stop, je me charge de tout, laissez-moi faire. Regardez, alors voilà, je viens de télécharger un nouveau programme d'astronomie qui donne une carte précise du ciel nocturne depuis n'importe quel endroit sur Terre. Selon ma théorie, le pouvoir que la Lune a sur vous, eh bien, est en rapport avec l'alignement des planètes. Et tu serais capable d'agir là-dessus? Je dois d'abord calculer la position de la Lune en relation avec les autres corps célestes pour vérifier ma théorie. Je vais me cacher dans mon sac de couchage, je préfère faire ça. Oui, Louis, c'est gentil, mais on n'a pas besoin de toi. Ah oui. Pour votre gouverne, la Lune se lève à 20h37 précises et le matin disparaît du ciel à 7h59. J'ai tout calculé. Vous voyez, les gens ne m'appellent pas Monsieur l'Expert pour rien. Personne ne t'appelle comme ça? Non, oh, ça viendra. Oh, mais qu'est-ce que tu farfouilles dans ma chambre? Je suis en train de juste ça. Non, tu rêves, là, c'est mon truc. Mais j'ai rien à mettre, moi. Et j'ai pas envie de passer pour une grosse plouque le soir de mon premier vrai concert d'adulte. Je veux avoir l'air cool. C'est pas mon problème. Débrouille-toi pour trouver quelque chose dans ton placard. Sors d'ici. Hé! C'est pas parce que maman et papa sont séparés que c'est toi qui vas me commander, d'accord? Alors arrête de me dire ce que je dois faire. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis de ça? Sors tout de suite de ma chambre. Allez! Papa, Cléo refuse de me prêter un truc. Cléo, viens là, il faut qu'on règle ça. Ouais, c'est simple, interdis-lui d'entrer dans ma chambre. Oui, vas-y, lui d'abord d'arrêter d'être aussi égoïste. Les filles, s'il vous plaît. C'était plus simple quand votre mère s'occupait de ces choses-là. Mais on va réussir à régler tout ça tous les trois. Cléo, tu iras au concert avec ta sœur demain soir. Moi? Quoi? Je déteste la musique des dysfonctionnaises. Écoute, ta mère a acheté 2 places de concert bien avant de... Enfin, avant de partir. Arrête, tu n'y es pour rien. Ta mère a pris sa décision, Cléo. Et la question n'est pas là. Je serai en réunion toute la journée à la coopérative de pêche. On doit tous faire un effort. La famille doit rester unie plus que jamais. Il faut bien que quelqu'un accompagne Kim à ce concert. Je suis capable d'y aller toute seule. Non, hors de question. Mais toi, tu y vas avec elle. Mais tous mes copains seront là et je suis sûre qu'il n'y en aura pas un seul qui viendra avec sa grande sœur pour le surveiller. Je ne suis pas un petit bébé. Si, tu en es un. Non, je ne suis pas un bébé. Écoute-moi, Kim. Cléo t'emmènera demain soir au concert. La discussion est close. Va chercher tes affaires de basket, tu vas être en retard. D'accord. J'en prends toujours plein le visage. Oh, je comprends vraiment pas pourquoi. Tu le remplis trop. Allez, tu sécheras dans la voiture. Lewis, raconte, on attend. Voilà, j'ai analysé de près l'ensemble des données en tenant compte à la fois de l'effet de la Lune sur les marées, de la force gravitationnelle... Et alors? Et alors, je n'ai pas encore fini. Ça t'a coûté combien, ce programme?
Je te l'ai déjà dit, je l'ai téléchargé sur Internet. D'accord, mais combien ça t'a coûté de le télécharger? 24,95. Tu t'es fait arnaquer, mon vieux. Oh, lâchez-moi. Écoutez, je pense que j'ai presque fini. Il faut juste que j'arrive à déterminer ce qui pousse la Lune à agir ainsi sur vous. C'est bizarre. C'est trop bizarre. En gros, tu nous as fait venir jusqu'ici pour rien. Merci. De toute façon, il se fait tard. On doit rentrer chez nous, se mettre à l'abri. T'inquiète, on a encore une heure au moins avant l'apparition de la Lune.